à donner une déposition au central CID en ma capacité de président du Parti travailliste. Sa déposition, mon al donné là, c'était une déposition criminelle. Contre MBC. D'abord, et aussi contre quatre du monde qui sont responsables nous de MBC. Et il y a M. Bijay Ramdani, et il y a M. Ravin Joypol, et il y a M. Jagdish Jatu, et Mme Daniela Itier. Ces quatre du monde là, ils sont responsables qui ont fait permettre à qui ban compte la banque du Parti travailliste publié l'OLA MBC. D'après le Banking Act de 2004, section 64, c'est une offense criminelle qui aussi concerne arrestation. Donc le Parti travailliste, il met ça dans la MCID, dans la police, parce qu'il nous donne une campagne électorale. Parlement il finit dissoudre, il nous donne une campagne électorale et il a une caretaker government. MBC pas capable de venir un paillasson du gouvernement et du MSM et du Premier ministre. C'est très sérieux ça qu'il nous a fait là. Et nous pouvons prendre ça au plus haut degré au sein du Parti travailliste. Donc nous ne pouvons pas être là, d'une donne déposition là. Nous espérons qu'ici à Haïti, la police, en espace quelques jours, in fini, elle écoute ça quatre dimoun là qui se tiennent à poutir. Si ça récidivait, si ça recommençait, et ça continue, le Parti travaille pour prendre d'autres mesures. Pour l'instant, nous laissons la police faire son travail. Sur Facebook, il y a aussi une vidéo comme quoi il y a un deuxième parti Navingate qui est sorti. Ça inquiète la concernant l'affaire Rochefort. Est-ce que ça inquiète tout? Non, inquiète du tout. Mais bizarre, faire quelque chose d'après la loi. C'est pour cette raison qu'il nous l'a sorti. Quand il y a d'autres mesures, c'est-à-dire? En temps et lieu. Chaque chose en son temps.